perspective. Vous étiez secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Au moment du G7, vous aviez la charge de Women 7. Nous en souvenons très fortement, enfin, les femmes dans le monde. Et puis, vous avez été ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté, où là aussi, nous nous sommes retrouvés dans de nombreux combats communs qui n'étaient pas très faciles, comme tous les combats d'ailleurs que nous menons. Mais je vous avais rencontré avant vos fonctions ministérielles, lorsque vous présidiez Maman Travail, lors d'une journée justement sur la laïcité et les femmes à la Fondation Jean Jaurès. Et au moment du Covid, quand on avait le temps de tout ranger, j'ai retrouvé justement quelques mots de vous à ce moment-là, vous m'avez écrit sur un texte. Donc, comme quoi, le Covid, ça servait quand même à quelque chose. Vous êtes également romancière et essayiste. Parmi votre avant-dernier essai, puisque maintenant il y en a un nouveau qui sort, c'est que j'ai énormément apprécié avec énormément d'humour. C'est une bonne situation, ça, ministre, et je vous conseille de le lire. Et puis, le 8 mars, vous allez sortir juste une petite gifle. C'est un essai sur les idées reçues fondées sur 10 ans d'études officielles du ministère de l'Intérieur sur les morts violentes au sein du couple. Là aussi, je pense que ça va être un livre qui va nous permettre d'avoir une vision extrêmement précise et pertinente des violences envers les femmes en France. Marlène, merci d'être avec nous et c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous, aux différents grades et qualités, tout protocole observé comme le veut la tradition. Je vous remercie Michel, Regard de Femmes et l'ensemble des partenaires et des intervenantes et des intervenants, et vous remercie vous d'être là. Alors peut-être vous dire quelques mots pour me présenter et vous dire d'où je parle par rapport à la question numérique. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, quand j'ai été nommée en 2017 au gouvernement par le président de la République, il y a eu beaucoup d'articles pour présenter mon parcours. Avant d'être ministre, j'avais été chef d'entreprise, j'avais écrit une trentaine de livres, j'avais été présidente d'association, j'avais été élue locale, mais tous les articles écrits sur mon parcours ne parlaient pas de ça. Ils parlaient du fait que j'avais tenu un blog. Et ils expliquaient que c'était la blogueuse devenue ministre, avec un beau scénario digne d'un téléfilm d'M6. Elle avait un blog dans sa chambre avec son bébé sous le bras et hop, elle est nommée au gouvernement. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je trouve que ça montre à quel point on dénigre le numérique dès lors qu'il est utilisé par des femmes. Un blogueur, ça sous-entend que c'est un expert de quelque chose, on imagine un geek qui s'est codé la nuit, et puis peut-être même qui a levé des fonds, qui dirige une start-up. Une blogueuse, on imagine tout de suite une parisienne qui parle de recettes de macarons, et on dénie à cette femme le droit de faire de la politique avec l'expression qu'elle utilise vis-à-vis de son blog. Or moi, le blog que j'animais, c'était le blog de mon association qui s'appelait Maman Travail. Et notre but, c'était par exemple de dénoncer le népotisme dans l'attribution des places en crèche, de militer pour un plus long congé paternité ou pour le respect des dispositions du Code du travail vis-à-vis des mères qui travaillent. Par exemple, le fait d'avoir droit à une augmentation de salaire quand on revient de congé maternité, d'avoir le droit d'être protégé du licenciement ou d'avoir le droit d'avoir accès à une salle d'allaitement quand on revient de son congé maternité là aussi. Mais tout ça a été passé sous silence parce que, encore une fois, le récit de la blogueuse qui est devenue ministre et donc la fille qui était derrière son écran. Alors là, Michel a eu la gentillesse de le rappeler, c'est ma 6e année de membre du gouvernement, c'est-à-dire que j'ai plus d'expérience ministérielle que l'immense majorité de tous les ministres du monde entier, puisqu'en général, on reste ministre 18 mois. Donc dans ma durée, ma longévité, dans notre gouvernement en ce moment, il y a Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui sont deux, je peux le dire, poids lourd de la vie politique française, et qui ont aussi, merci les Français de rire, et qui ont aussi cette longévité de 6 années et de mon 3e ministère, mon 2e quinquennat auprès du président de la République. Et pourtant, aujourd'hui, quand il y a des portraits de moi, alors on dit plus c'est une ancienne blogueuse, mais on dit rarement, waouh, quand même, de quinquennat, 3 ministères, 6 années, elle doit quand même savoir gérer des politiques publiques. On dit, elle tweet beaucoup. Alors, surprise, en général, c'est pas moi qui tweet, c'est Yenad, mon conseiller, que vous pouvez saluer. Merci pour lui. Donc, en fait, les gens pensent que je tweet beaucoup en oubliant que derrière un ministre, il y a un cabinet ministériel. Et de la même façon que je fais pas, par exemple, toutes mes réservations de salles, je fais pas non plus tous mes tweets. Et c'est assez amusant d'imaginer que dès lors qu'il y a une expression publique, en fait, on l'utilise contre la femme qui va s'exprimer. Et là, je rejoins complètement l'expression de Mireille sur la langue des hommes, c'est-à-dire le pire et le meilleur.
Internet nous a donné à la fois la possibilité de nous exprimer sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Il suffit d'avoir un téléphone et pendant qu'on fait autre chose, on peut taper une phrase et partager nos pensées. Et en même temps, Internet nous a pas donné le droit de nous exprimer sans être insulté en retour. J'ai fait quelques captures d'écran de ce que je reçois sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup hésité à vous les montrer. Je vais pas le faire parce qu'il y aurait trop de trigger warning et que je respecte votre pensée propre que je ne veux pas polluer avec ces images. Mais imaginez ce que ça fait, et peut-être certains d'entre vous le vivent ici, quand tous les jours, quand vous vous connectez à vos réseaux sociaux, vous recevez des photomontages de vous nus, ou alors vous recevez des photomontages avec des fusils braqués sur vous pour dire qu'on vous menace de mort, ou des photomontages où vous êtes décapité et vous tenez votre propre tête à la main avec du sang autour. Ce sont des photomontages que je reçois régulièrement, agrémentés de menaces ou d'insultes. Typiquement, encore hier, j'ai reçu une mise à jour de Twitter et parce que mon conseiller Yenad, que je salue encore une fois, avait signalé à Twitter le fait qu'un internaute, apprenant que j'étais à New York ici à la Convention des droits des femmes, avait répondu par des insultes et des menaces parce que je me déplace. Je veux dire par là qu'on dit qu'on tolère l'existence des femmes dans la sphère publique, mais en fait on les tolère si elles sont silencieuses, si elles n'ont pas beaucoup de caractère, si elles ne bousculent pas l'ordre établi et surtout si elles prennent pas trop la parole. Dès lors qu'une femme s'exprime, on va considérer qu'elle prend trop la parole, qu'elle est hystérique, qu'elle parle beaucoup. D'ailleurs, regardez à quel point on se moque des voix des femmes ou de l'apparence des femmes. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de mes collègues femmes ministres qui m'ont dit qu'elles n'osent pas poster de photos d'elles sur les réseaux sociaux parce qu'on va se moquer de leurs genoux, leurs jambes, leurs vêtements, leur coiffure, leur peau, la tête qu'elles vont faire sur la capture d'écran. Et il faut comprendre ce que ça fait pour n'importe quelle femme, qu'elle soit ministre ou que ce soit une adolescente de 16 ans qui vit dans un village, que de se dire « mon apparence va être utilisée contre moi ». Tout ce que je vais dire va être utilisé contre moi. Et bref, mon existence même va être utilisée contre moi. Et qu'est-ce qu'on va me conseiller face à ça? On va me conseiller de me taire. On va me conseiller de faire du silence. Et moi, j'en ai marre d'entendre des gens me dire ou dire à des jeunes filles ou à des jeunes garçons qui sont victimes de violences de genre en ligne « tu n'as qu'à éteindre ton téléphone, tu n'as qu'à te déconnecter de tes réseaux sociaux ». Mais je trouve que dire à une femme « si tu veux pas être cyberharcelée, va pas sur Twitter », c'est comme dire à une femme « si tu veux pas être violée, sors pas toute seule la nuit ». C'est exactement le même procédé. Donc moi je le déplore parce qu'on est obligé d'avoir recours à des ruses, de mettre des pare-feux, de mettre des applications qui nous protègent et qui masquent les insultes. Mais dans le même temps, je vous disais tout à l'heure, je me présente pour vous dire d'où je parle, mais je suis la personne qui a fait la loi contre le cyberharcèlement en meute, mais je suis aussi la personne qui a créé la jurisprudence de cette loi, c'est-à-dire la première personne qui a été victime de cyberharcèlement en meute et qui est allée déposer plainte et qui a fait condamner la personne qui l'a cyberharcelée. Cette loi, elle dit schématiquement que désormais, vous ne pouvez plus vous fondre en disant « je suis qu'un mouton parmi le troupeau du cyberharcèlement ». Maintenant, quand vous retweetez, quand vous likez, quand vous relayez une story Instagram de haine vis-à-vis d'une personne, eh bien vous êtes condamné. Il y a des années de prison, il y a des dizaines de milliers d'euros d'amende. Vous êtes condamné par la loi pour avoir contribué à ce cyberharcèlement en meute. Parce qu'on ne peut pas déresponsabiliser de la sorte chacun. Et on parlait tout à l'heure de l'âge auquel on a accès à un téléphone. Moi, je vais vous dire, je suis frappée de voir à quel point, quand on dépose plainte et quand il y a des enquêtes et qu'on retrouve les personnes qui font du cyberharcèlement sexiste, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de parents qui nous disent « mais je ne savais pas qu'il faisait ça dans son téléphone ». Donc moi, en tant que mère et en tant que ministre, je dis toujours aux parents « allez voir le téléphone de vos enfants ». Votre enfant qui a 10 ans, votre enfant qui a 12 ans ou même 16 ans, eh bien en fait, moi je considère qu'on est tout à fait fondé à lui demander de nous montrer les applications, de nous montrer son historique, de nous montrer comment il utilise ce téléphone, parce que ça fait partie aussi de l'éducation. C'est trop facile de dire « c'est mon téléphone, c'est ma liberté », etc. Je trouve que la liberté de chacun est trop souvent utilisée contre les femmes. C'est la même chose quand certains pays nous disent « c'est de la liberté d'expression ». Moi, j'avais imprimé à un moment toutes les insultes faites contre les femmes publiques, les femmes, les chanteuses, les artistes, les femmes journalistes politiques, et j'ai tout imprimé, tout ce que Twitter a refusé de supprimer, et je suis allée voir le directeur de Twitter en France, et je lui ai lu toutes les insultes, et il y en avait des centaines. Et je lui ai dit, comme ça n'enfreint pas les conditions d'utilisation, ben en fait, je vais m'adresser à vous et je vais tout vous lire. Donc je lui ai lu, sale pute, je vais te violer, grosse connasse, etc., etc., toutes les insultes. Et je lui ai dit pour que chacun se rende compte de quoi on parle.
Et il était blême. Et il m'a dit, effectivement, je n'aimerais pas recevoir ça, je n'aimerais pas que ma fille le reçoive, mais c'est important pour moi la liberté d'expression. Mais en fait, la liberté d'expression, elle n'a jamais été absolue. On ne peut pas poursuivre quelqu'un dans la rue et le menacer de mort ou lui crier des insultes. Et bien, on ne doit pas pouvoir le faire non plus dans l'espace numérique. Parce que moi, je veux le dire, beaucoup de gens vous diront, et moi la première, quand on va me demander publiquement ce que ça me fait d'être cyberharcelée, je vais dire non, mais je regarde pas Twitter, j'ai une équipe qui s'en occupe, je sais pas, je suis tellement habituée, pour moi c'est un bruit de fond. C'est un bruit de fond pour moi, mais c'est un bruit de fond négatif. Et imaginons ce que ça fait pour une femme de 40 ans, mais imaginons ce que ça fait pour une fille de 14 ans qui a pas les ressources que j'ai et qui a pas l'entourage que j'ai, qui marche dans la rue et qui entend ce bruit de fond parce que ça reste dans la tête et qui entend t'es moche, t'es bête. Arrête de parler, ta gueule, salope, connasse, on va te flinguer, et qui voit les messages qu'elle voit. Et même quand nous, on n'y va pas. Moi, j'ai dû gérer l'appel de ma grand-mère qui m'appelle en pleurant et en me disant « J'ai tapé ton nom sur Twitter et des gens veulent te tuer. » Et j'ai essayé de lui dire « Mamie, c'est des gens qui vont pas vraiment me tuer, c'est des gens qui me menacent sur Internet parce qu'ils sont désœuvrés et qui s'ennuient. » Elle me dit « Mais qu'est-ce qui te prouve qu'ils vont pas vraiment te tuer ?» Et c'est vrai parce que souvent, la violence en ligne, elle précède la violence physique. J'ai eu des personnes qui m'ont harcelée en ligne et qui après m'ont suivie vraiment, qui m'ont menacée réellement dans la vie réelle. Donc moi je ne crois pas qu'il y ait d'un côté internet et de l'autre côté la vie réelle. Donc je dis tout ça non pas pour me plaindre, parce que je ne suis absolument pas à plaindre aujourd'hui, mais je dis ça pour dire que imaginons ce que ça produit dans la psyché d'une femme de pouvoir de 40 ans, et imaginons du coup ce que ça produit dans la psyché d'une petite fille ou d'une adolescente ou d'une personne qui n'a pas accès à la possibilité de faire valoir ses droits ou qui n'est pas dans un univers dans lequel on comprend. Et imaginons l'effet miroir que ça produit. On est tout le temps en train de se plaindre qu'il n'y a pas assez de femmes en politique. Là encore, on est à la Commission mondiale des droits des femmes. On dit qu'il n'y a pas assez de femmes qui représentent les pays, il n'y a pas assez de femmes premières ministres, il n'y a pas assez de femmes présidentes de la République ou même juste patronnes de grandes entreprises. Mais moi, j'ai plein de femmes qu'on a appelées pour faire de la politique et qui m'ont dit non merci, j'ai pas envie de me faire cyberharceler, j'ai pas envie de me faire insulter, j'ai pas envie qu'on dise et que mon enfant à l'école, il se connecte et puis qu'il voit toutes les insultes qu'on déverse sur sa mère toute la journée. Et moi, je vais vous dire, ce matin, j'ai reçu un message de ma fille qui sait que je vais bientôt faire la couverture d'un magazine et qui m'a dit « Maman, s'il te plaît, la fais pas, parce qu'après, tu vas te faire démonter sur les réseaux sociaux. » Et moi, je me dis, ma fille de 16 ans, elle assimile que si on ne veut pas se faire, je cite, démonter sur les réseaux sociaux, il faut se cacher. Et on est un pays, on est la France, on est le pays des Lumières, on est le pays de Simone Veil, de Marie Curie, d'Elisabeth Borne et des droits des femmes. Donc je pense que c'est important pour nous de lutter sur cette question. Je remercie Regards de Femmes de se mobiliser. Je remercie aussi nos parlementaires en France et partout en Europe d'être mobilisés sur ce sujet. Et je dis à tous les pays qui ne sont pas encore engagés sur cette question, que c'est absolument fondamental et que la liberté d'expression, ça ne peut pas être la liberté d'insulter les femmes, de dénigrer les femmes ou de harceler les femmes. Alors protégeons-nous, exigeons des plateformes beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de moyens, continuons à faire des lois, mais soyons conscientes et conscients que les lois ne font pas tout et que les lois ne suffisent pas face à la société. À chaque fois qu'une personne trouvera normal qu'on se fasse insulter parce que t'avais qu'à pas faire ce tweet si tu voulais pas te faire insulter. À chaque fois qu'une personne dira à une fille, à une femme, si tu veux pas être insultée, t'as qu'à quitter Twitter. À chaque fois que quelqu'un nous dira qu'il suffit de penser à autre chose et de mettre des mots-clés pour ne pas avoir ces mots-clés. À chaque fois que quelqu'un nous dira, oui mais t'as qu'à vérifier les photos de toi que tu postes et d'être vraiment présentable en fonction des critères du patriarcat parce que sinon tu seras insultée. Parce que t'es trop vieille, parce que t'es trop maigre, parce qu'on a vu tes os, parce que t'avais des poils, parce que t'étais trop grosse, parce que t'étais pas assez désirable ou parce que t'étais trop désirable, selon les critères de qui et dans le regard de qui, et bien à chaque fois qu'on nous dira ça, ce sera un recul pour les droits des femmes. Donc moi je pense que le combat pour la liberté des femmes et la liberté de parole des femmes sans être insultées et sans backlash et sans prix à payer, aussi dur qu'il soit en ligne en retour, elle est fondamentale. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites et merci de m'avoir écouté.